Ces derniers jours, The Weeknd a fait escale en France. Le chanteur pop R&B de 33 ans a débuté par deux concerts au Stade de France, ce samedi 29 et dimanche 30 juillet. Ils s'inscrivent dans le cadre de sa tournée mondiale baptisée After Hours Till Dawn. Pour sa dernière date en France, The Weeknd est attendu ce mardi 1er août à Bordeaux, au stade Matmut Atlantique. Avant de monter sur scène, où l'attendent 42 000 spectateurs, il a pris ses quartiers dans un hôtel situé dans le centre bordelais. L'annonce est arrivée jusqu'aux oreilles de ses fans. Dès ce lundi 31 juillet, ils se sont massés en nombre devant le lieu de résidence de l'artiste. Tous avaient pour espoir d'obtenir une photo à ses côtés ou un autographe. D'après France 3, il s'est laissé aller à quelques salutations à son balcon, puis d'un bain de foule. Plusieurs vidéos partagées sur X, ex-Twitter, montrent des centaines de personnes qui ont littéralement assailli l'artiste canadienne attendu en concert ce mardi 1er août. The Weeknd a été en couple avec une célèbre chanteuse. The Weeknd n'a pas que la musique comme terrain de jeu professionnel. De son vrai nom, Abel Tesfaye, il s'est attaqué au cinéma dès 2019 avec un rôle secondaire dans Uncut Gems. Il a également coécrit, produit et joué dans la série The Idol, aux côtés notamment de Lily Rose Depp. Celui qui a connu une relation amoureuse avec Selena Gomez va aussi, prochainement, incarner le premier rôle dans un long métrage. Le casting sera complété par Jenna Ortega et Barry Keoghan. The Weeknd s'est également mêlé ses deux facettes puisqu'il a notamment été présélectionné dans la catégorie meilleure chanson originale pour la cérémonie des Oscars en 2023. Cela fait suite à son titre Nothing Is Lost, présent dans le film de science-fiction Avatar, La Voix de l'eau. À seulement 33 ans, le chanteur canadien aux origines éthiopiennes a finalement déjà tout d'un grand, pour le plus grand plaisir de ses fans très attentifs à sa carrière. Crédit photo, Jacovid Moreau. Step up.